Donc, on est parti pour avancer. Donc, Honkai, on va faire une petite heure, une heure et demie dessus. On va avancer un petit peu Honkai Star Rail. On fera pas d'invoque. Parce que là, j'ai stock 20 pierres d'invocation et 17 pour la perma. On va pas invoquer parce que demain, donc le 9, il y a une récompense pour les joueurs qui sont là le jour même. Pour fêter le titre de meilleur jeu mobile de Honkai qui vient d'avoir. Donc on aura 1600 pierres, ce qui fait pareil une 10 invoques. 10 invoques, donc on peut le rajouter, ce qui fait qu'on aura 30 invoques hebdo et 10 invoques perma. Enfin 30 invoques spéciales et 10 invoques perma. Voilà. Il manquera 7 pierres pour pouvoir avoir une invoque. Enfin une troisième invoque, une deuxième invoque. Perma. Donc on verra ça plus tard. Donc let's go, on a tout de suite. Allez, on va faire la mission de Daheng. Let's go. Agenti pour juste pour son skin de chevalier, je le trouve épique. Mais bah alors go. Si tu m'as dit de te suivre, bah vas-y. Il y a des maras qui ont pris cher. On fait que passer. Pas de coffre dans le coin. Oh mon d'arrêt d'arrêt! Merci poteau, merci mon petit Hugus. Merci pour ton resub l'ami. Comment tu vas? Comment va la Belgique? Est-ce que la Belgique va bien? Comment tu te sens l'ami? Putain, ça fait un bec que je t'avais pas vu. Plaisir de te voir. Merci à toi en tout cas pour ton resub. À l'aise aussi. Tu t'es pris le nouveau Call of? Tu fais des games sur le nouveau Call of? Est-ce qu'on t'entend un petit peu gueuler sur le nouveau Call of? Ou pas du tout? Je sais que je suis pas le seul à gueuler donc au moins. Non, je le passe. Lol. Le mode zombie, par contre, du nouveau Call of est épique. Hein. Autant le multijoueur, il n'y a rien de folichon. Et pareil, t'as toujours autant de compeurs et compagnie qui te foutent les boules. Mais le zombie est vraiment épique. Hein. J'ai terminé complètement à 100% le mode zombie. J'ai fait le... J'ai fait des guides sur chaque objet de quasiment de la zone. J'ai fait un guide jusqu'au boss de fin du mode zombie. Tu vas chaîner la chaîne YouTube sur la playlist de Call of, tu verras... On aime passer du temps, on a fait du taf quoi. Hop, pâté. À faire plus rapide, petit con. Voilà. Comment éviter les boss à affronter. Voilà, hop, hop. Voilà. Ah ben, tu sais, on a fait le comment on appelle ça. Le let's play déjà de la campagne. Et derrière, on a trouvé un joueur ou deux qui aimait bien le mode zombie sur Discord. Donc on a profité au max et on a fait tous nos trucs dessus quoi.
Donc j'ai fait les une tonne d'easter eggs, parce que dans les easter eggs, t'avais... tu pouvais récupérer, tu sais, les boissons, tu sais, les mastodontes et tout, là. Réanimation rapide et tout. Tu pouvais en récupérer gratos dans la map. Donc j'en ai récupéré, j'ai fait par boisson, donc il y en a 8. Donc je fais 8 shorts. Donc avec les 8 easter eggs, que je vais tout compiler dans une grande vidéo après. On a fait des, bah, des... comment débloquer, par exemple, le pistolet laser de... du mode zombie, tu sais, dans tous les modes zombies. Pareil, on l'a récupéré, ça a pris un temps infini. Ah ouais, ça a pris un temps à pas mal quand même. Bah, tu imagines que du niveau 1 au niveau 55, j'ai fait tous mes levels sur mode zombie. À force de tourner des vidéos et tout. Et j'ai fait toute la campagne avec 3 actes. Ouais, on a peut-être dû passer 30 d'heures pour tout enregistrer. Au moins une 30 d'heures. C'est donc qu'il nous reste un truc ou deux qu'on n'a pas pu faire, mais parce qu'il faut être en escouade. Donc ça, on attend d'avoir plus de joueurs pour pouvoir le faire. Donc là, on s'est remis sur Honkai Star Rail et Genshin Impact. Comme c'est des free-to-play, vu le prix des jeux en ce moment, je préfère focus des free-to-play, toi. Qui le mérite, en tout cas. Que bon, 80 balles le jeu, peut-être augmentation des prix à 100 balles à cause de GTA 6 là. Donc clairement, on va focus des free-to-play. Hein. Malheureusement, le jeu GTA 6 est à 100 balles. Je te dis, tout le monde boycotte le jeu, personne l'achète. T'inquiète pas que le prix va vite redescendre à 80. Et comme ils n'arriveront pas à le vendre, ils vont vite se réaligner au prix des autres. Le problème, c'est que si tu es SFR, on aura tout le monde qui va mettre le même prix. Bah, toujours Hearthstone, Valorant, mais bon, ça douille aussi avec les packs de cartes. Ah oui, si tu achètes tout ce qu'il y a, oui, c'est vrai que ça va vite douiller, quoi. Si on kiffe, Mario RPG, pour le moment. Lequel, le dernier? Le quoi, le RPG Maker ou... Ouais, RPG Maker, j'ai bouffé son nom, tiens. Je vois lequel c'est, mais ouais, j'ai bouffé son nom. Bah toi, limite, j'avais envie de me prendre le Mario, tu sais, la Wonder, machin, là, qu'ils ont fait. Justement pour pouvoir jouer avec madame. Mais on m'a dit que c'était pas non plus oufissime que donc. Donc toi là, c'est comment il s'appelle? C'est Mew, tu sais, qui m'a pas mal tanné pour me dire ouais, Honka il est sympa. Il est très sympa à jouer. Le dernier avec l'histoire? Ok. Bah je vois lequel c'est alors, la boîte. Je vois la boîte en, j'ai la boîte en tête. Mew m'a tanné pour me dire tu sais, Honka il est très cool. Donc c'est teste-le. Et bah j'ai testé, bah ça m'a, toi, j'ai littéralement farmé le jeu quoi. J'ai littéralement farmé le jeu. J'ai fini une fois sur une première sauvegarde, c'est un premier compte. Dans le deuxième compte, je le refais justement pour faire la campagne. La campagne est assez intéressante, elle a pas mal de cinématiques, les boss sont vraiment épiques. Donc je m'amuse à le refaire en même temps. Et j'ai fait la même chose sur Genshin, toi. Alors, hop, hop, donc faut que j'aligne celui-là, là, et celui-là tu descends en bas. Ouais, petit coffre. Café à la vôtre. おかしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに。鍵を持っていけって。おい、いくらまずい飲食店でも客。本当に大牧師の人なの？それはないよ。もう書庫の管理に降格されてるもん。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃ。 Ok, écoutez, c'est pas là. Voilà, ここ là. C'est
si t'aimes bien les types RPG et tout, honnêtement, je te conseille. En plus, le jeu, c'est un free to play. Si t'aimes bien les jeux de type RPG, profite. Hein. C'est vraiment un bon jeu, ce petit Honkai. D'ailleurs, les deux, parce que t'as peut-être déjà dû tester une fois au moins Genshin. Ça fait un petit moment maintenant qu'il existe. Là, ils ont rajouté pas mal de contenus qui sont fort sympathiques. Mina. Et c'est quand qu'on te revoit en stream, mon petit. Tu trouves où? Epic Games. Honkai et Genshin, les deux sont sur Epic Games. Ça te télécharge un launcher de 200 MO. Et après, du launcher, ça te permet de l'installer le jeu. Ah, bah tu me diras, poto, parce que moi, il est installé, il est prêt. Hein. Moi, je suis. Alors, on va peut-être faire jouer pas de mon level quand même, mais. Le petit Apex, j'ai joué jusqu'à encore la saison dernière, donc. Donc pour Apex, tu me dis, hein, Daron, on s'occupe, on s'organise des games avec plaisir. Qui veut un coffre par là? Ah putain, la porte. En plus là ils ont fusionné les... Je sais pas si t'as vu, là ils ont fait les, la fusion des comptes. Donc si t'avais des comptes sur Xbox, PlayStation 5, enfin Xbox, PlayStation ou Steam, tu peux tous les fusionner en un seul compte. Ah, et bah Apex tu l'as sur Steam. Le meilleur c'est sur Steam. Il bouffe moins de ressources. Sinon c'est EA Origin. Donc tu joues PC, donc Steam, je pense pour toi. Ah, tu m'envoies un message, Poto. Quand tu restreams, tu m'envoies un petit MP, comme ça je viendrai jeter un œil. Je viendrai passer un petit moment. Nous on essaie de restream, mais c'est comme maintenant on a le petit, ça bouffe du temps. Donc voilà, et plus bah il y a des moments bah il va bien, des moments qu'on n'est pas en grande forme, ça bouffe du temps quoi. On priorise le petit, ce qui est normal toi. Oui, bah je l'avais mis sur au tout d'accord. Ma femme a accouché en août. Un petit garçon. Fugendono. Merci mon petit Daron. Bah tiens, il y a ma compagne qui est là. C'est avec son petit loup. Donc ouais, un petit garçon là de... Bah qui va avoir 4 mois là, dans 10 jours. T'inquiète pas, c'est pareil, genre, là avec le Discord. Eh bah tiens, je laisserai rejoindre le Discord comme ça. On avait changé de Discord, je sais pas si t'es sur celui-là. On a fait un Discord, c'est pour mon équipe d'e-sport que j'ai commencé à monter. Donc, n'hésite pas à rejoindre. Comme ça, au moins, t'auras plus de news peut-être que sur le. Que sur l'autre. Que sur le groupe. ほら、ここが中央の陣だよ。中央を見渡す。つまり天地国を見るって意味で、この元いは時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。 Je me rappelle qu'il y avait des trucs planqués à gauche à droite. Bah, oh, il y en a 3. Il y en a 3. Tac.
Non. Qu'est-ce que je vais faire? Là. Et là, hop. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Alors, les symboles. Faut qu'on fasse un triangle. Oh, ça va être simple. La connexion du jeu qui crachouille. Nice. Là, comme ça tu pourras avoir t'auras plus de news et on peut comme ça on pourra CMP quoi. C'est plus simple. Et sinon bah ouais on a, comme je dis, on a commencé à reprendre bah, depuis un an. Ça j'avais pas pu streamer avec mon déménagement. J'ai déménagé dans la Normandie. Donc depuis un an j'ai quasiment pas fait de stream plus que ça. Donc j'ai réussi à streamer un petit peu avec Merlin. Sur des petits jeux Mario Kart qu'on fait Je sais pas si t'as encore la Switch, on fait Mario Kart tous les jeudis. Tous les jeudis et les mardis, ça varie de par semaine. Et on fait un tournoi Mario Kart. Donc on a réussi à tourner un petit peu en faisant quelques streams par-ci par-là, mais c'est vrai que voilà. Là j'essaye de reprendre maintenant plus régulièrement. Quoi.君らはこの生徒し君らに選ぶ余地はない。たまには魔術の取っ手を置きを食らえ。あの光とさ、空にある美しさを守り抜く。感情に捧げる。お、なんしよう。あ、ちょっと待って、逃がさない。任せろ。 Boum boum et ça va finir le boss. Voilà. Ouais, voilà. Ben, tu regardes, tu enverrais si tu veux le code des deux tournois. Comme ça, t'auras accès aux deux tournois. En fait, on va voir parce que on essaie toujours d'organiser le tournoi quand on aura le plus de monde, toi. Normalement, c'est sauvegardé ce que t'avais sur Pex. Et normalement, tu peux fusionner les comptes Steam et EA Origin. C'est exprès pour pas avoir le même sauvegarde. Avec le même, si c'était la même adresse mail, normalement, ça va faire le même truc. Et là, en fait, si tu avais par exemple joué sur Xbox ou PlayStation, tu peux fusionner les trois comptes. Faut que tu ailles sur EA Origin. C'est le site d'EA. Que tu regardes que ton compte, tu es connecté tous tes réseaux. Donc, tu sais, ta PlayStation, ton Xbox, ton PC Steam. Et en gros, en fait, quand tu vas te connecter pour la première fois, ça va te fusionner tous tes comptes. Donc, si tu avais tel ou tel loot sur un compte et un autre, toi, bah, tu auras avec toi. あの光と空にある美しさを守り抜く。善を消え去れ。怖いよ。
Pour ma part, toi, j'ai fait la fusion des comptes, j'ai tous mes trucs, ce qui fait que j'ai, tu sais, j'avais les bat, comment ça, les heirlooms, c'est les armes que tu as avec des packs héritage là, dans les, quand tu ouvres des packs. J'avais mes heirlooms sur PC, j'avais un skin héritage sur console. Bah, j'ai plus tout à voir sur mon compte, donc maintenant je joue sur Xbox parce que comme ça, ça bouffe moins de ces ressources du PC et ça me permet de jouer normalement comme tout le monde, quoi, avec le même avec mes skins et tout, quoi. Donc ce serait cool. Donc ouais, j'ai repris le jeu il y a pas longtemps, donc n'hésite pas. N'hésite surtout pas. Et le deuxième, on ouvre le coffre comme ça. Makasero. Junbi wa kuchinai. Boum boum. Ah, c'est déjà deux si bons, hein. De quoi qui tue Adam? Attends, il a pas de coffre. Il y a un truc à côté. Un truc à gauche. On profite pour faire tous les secrets en même temps. Hein. Mais si c'est cross-platform, c'est moins hardcore qu'avant ou c'est pire? De quoi, Apex? Pas kiff kiff, ça varie en fait. C'est pas pire, c'est pas moins, quoi. C'est clairement. Tac. Comment je vais m'en sortir avec ma merde? Non. Ah, conduite au coin, ouais. Bah, sachant que ça fait. Quand on a la saison. Je crois qu'on a la saison 19. Donc 19 fois 3 mois. Hein, et ils font le cross-platform que maintenant. Le cross-progression que maintenant. Cross-platform, il est depuis le début du jeu. Mais la cross-progression, donc pouvoir avoir le même compte sur toutes tes plateformes, ils le font que maintenant, toi. Il aura fallu 5 ans pour arriver à faire, faire ce truc, quoi. Donc bon, d'un côté, ça dégoûte un peu tout le monde, parce que ça fait des années qu'on demande qu'il le fasse. Justement, quand tu puisses jouer, que ce soit sur la Switch ou sur PC, comme tu veux, tu sais, t'en perds tout, parce que t'as pas obligatoirement, tu sais, tout ton matos, toi. RPG Rubik, c'est un peu ça, ouais. C'est pour des trucs cachés. Tac, 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 donc celui-là, il part là. Lui, de hop, reviens. Lui, de l'autre côté. Voilà, ah, c'est déjà fini. Voilà, comme ça. J'ai cassé ma chaise, moi. Nantoka mitsu no motoi o kidou dekita ne. Jushin ni modotte, Taibok sama ni hokoku shiyou. Ah oui, d'accord. Je viens de capter. Tac, tac. Je vais mettre là. Je descends d'un grade. Comme ça, l'autre, il descend aussi. Et ce qui fait que j'ai deux alignés. 19, what the fuck. Moi, j'ai arrêté quand il y avait la voiture, 3 places. Ah oui, les planeurs, là. Les planeurs avec 3 plus. Oui, bah alors, oui, bah oui. T'as eu... Alors, t'as pas eu énormément de choses en plus. Tu sais, quasiment chaque saison, t'as un nouveau héros. Déjà de sûr. Donc là, maintenant, on a un énorme paquet d'héros. T'as beaucoup de... Ils ont changé l'interface des champions. T'as certains personnages qui ont eu des reworks. Tu prends par exemple... Lifeline ne peut... tu sais, avant, quand elle soignait quelqu'un au sol, ça faisait un bouclier devant elle. Maintenant, en fait, quand tu soignes quelqu'un au sol, ton personnage va mettre son robot sur la personne et tu peux repartir te battre. Et ton robot va relever la personne, toi. Donc ça, c'est pratique.
Revenant, le robot tueur, il a un reward complet. Maintenant, il a plus du tout le même capacité. Il peut faire des jumps. Voilà, il a changé complètement son style de jeu. Voilà, et je crois qu'on a une bonne, on a dépassé la vingtaine, je crois, de héros quasiment. Hein. Je crois qu'on a bien dépassé la vingtaine de légendes. Hein. Il y en a même plus, poto. Je crois que depuis la première fois que tu l'as fait, je crois qu'il y en a même plus. の真相は気に入った。ありえない。でも、休館の陣に間違いはない。カフカは性格と無関係。バカバカしい。こんなことが。 自分で彼女に聞いてみなさい。時間この件、すぐに将軍に報告。聞いてカフカにはいろいろと聞きたいことがあるだろう。ええ、リスクです。 21 invoque et 17 là. Au limite, il faudrait que j'achète 3 tickets pour faire les 20 invoques. ごめんなさい。こんな情けない姿を見せてしまって。列車で君と話さなかったのは、こうなることを想定していたからよ。だから、すべて取っておくことにしたの。 エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはない。つまり、すべての物事は彼の予言通りに進んでいる。泉州で起きた性格の災いは、私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると、性格ハンターに罪がないとも言えないわ。 大木があんなに驚いていたのは、三つの事実を見たからよ。一つ目、性格二つ目、泉州に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているなんてかわいそうに。ラフ内部の裏切り者と外部の敵が手を組んで泉州を滅ぼそうとし、でも大木が知っているのはこれだけ。 何しろエリオは私に肝心なことは教えてくれなかったから。彼は大牧師が私、そして三つ目は泉州同盟が夢にも思っていない事実。君たちのためよ。不条理だと思うでしょう。 Ah, appelez son petit daron. N'hésite pas à me dire en MP hein, et en s'organisant. Avec plaisir du Avex. エリオは肝心なことは教えてくれなかったって。未来の可能性は無限にある。 物語でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で君たちは壊滅のナヌークと対峙することになる。その時になったら、あれは君も私も請求列車も到達できない域の存在よ。
多くの未来ではその瞬間に運命が終わりを迎える。知ってる？たとえ、Donc même les dieux peuvent mourir. Né, Rasetsu, Hanshok no Taizurus ni tsuite motto oshiete. Sukkoku omoshirokatta. Fushigi da ne. Aion. Zettai teki na muteki mo eien no fukyū mo kono yo ni wa sonzai shinai. Tada bonjin tachi no mesen de mita mono o kochō shita dake sa.でも繁殖の死は理解できないな。アイオン同士でしょ。お嬢さんは本当に先修人なのかい？他のアイオンはともあれ、ランと薬師の話は知っているだろう。もちろん知ってるよ。少しだけだけど、いつも母さんに。なら話題を変えよう。順守と豊穣の因縁を知らないのならいろいろと分かったよ。じゃあこの白い箱のことが気になるのかい？これは霊柩というものだ。死者？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。千年も生きる種族にとって。そんなことないよ。戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには箱、いや棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら先修人は、それに古族や寿命族にもそれぞれの儀式がある。昔古族の戦士が死んだ仲間を聖鎖に納め、ちなみに寿命族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは母さんは寿命族を竜の血族ってって呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて。ああ、無口な炭鉱先生が。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン不朽の末裔だ。だから竜に変化できる者もいる。貴重な力ゆえに複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだな。継承者にとって。僕も不朽の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。どの物語でも朽ちることのない命を奪う。突然竜は消えた。天命はいずれ。Allez, arrêtez de parler, histoire du combat là. On va fighter, non? On va péter la gueule des gens. アイオンでも不朽を名乗ることはなく、その余計なことを聞くんだけど。ああ。友達？いいや。じゃあ、恋人？何を考えてるんだい？この中にいるのは僕とは無関係の人さ。さあ、存分に休憩を取っただろう。おしゃべり。Yofa, il reste mystérieux quand même avec son cercueil.Attends, tac tac tac, il n'y a rien à ouvrir. Mahon Nomida. Sanin de Ikiniko. Soxen Sokit de Yatra. Ojo San Yimakase de Injana. Minzu of Ereba, son of un Tsuyok Naradisho. Second Banashi of State.争いに意味はない。思い知らせてあげな。やっかよ、避け。亡者再臨。
じゃあ自分もできんだよ。ごめん、血が出てないみたいだから平気だろうとは思う。あなたは運気軍の。無口くん、羅刹、ごめん。また寄り道する羽目になりそう。この子は本当にごめん。僕は医術を。大丈夫だ。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったりしびれたりするような感覚が。無駄です。この身はからくり。からくりでも肉体でも形あるものに。どうやって。北条のよかった、地甲子に帰らずに済みました。獣王子の律令により半眼は外の者と縁を結んではなりません。です。私がここにいるのは重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら。ついてきてください。Oui, on va surtout la revoir plus tard. Ce perso. Là encore, elle sert, elle va servir un peu pour nous diriger, mais... surtout plus tard. たとえ星の神だろうと殺す何を言ってるの。ただ昔の出来事を教えてあげたいだけよ。死したアイオーンのことをね。不朽の竜、どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって主なき運命だけが残ってる。今現在その1、概念が被る。その2、その目的を果たそうとしている。私が知ってる物語はこうよ。同盟はもともと薬師を探し賜物を求める薬乞だった。彼らはアイオンに謁見でき死を癒せるけど、すぐさま彼らは気づいた。自分たちが不死の呪いに汚染されたと。そして純主が現れ一死で剣木を射抜き分かつ。その後宇宙どうかしら、スリル満聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。待って、そろそろ時間だわ。始まったわね。待って。行くわよ、ジンちゃん。残りの2カ所に向かわなきゃ。カフカが逃げた？まずい。大木に何て言えばいいんだろう。だしらべ、fais un truc en même temps。Et je check un truc. Je crois que ça c'est le parfum chemin, donc on s'en fout.
on a, attends, on a, je crois qu'on a checké quasiment tous les trucs. On a un truc à gauche, ça c'est le parchemin, et je crois qu'en bas on n'a plus rien. Attends, on l'a pas fait encore cette zone, donc on ira plus tard. Là on a un truc à gauche. Ah oui, des pots. On rate pas les items, ça fait toujours du fric. Alors, ouais, tout en bas. Hop. J'ai toujours pas chopé de légendaire, ça m'énerve. C'est avec l'heure d'un nouveau boss, les gars. Cette énergie étrange. Ah, cette phénomène de l'énergie étrange, c'est que l'Unki-gun cherche. Pardon. On dit vite, on a passé. Là, ça c'est une livraison, ça fera plus tard. Kafka ga kyū. Awatte na, Fugen doro. Kyūkan no jin wa uso o tsukanai. Fugen doro ga mita Kafka ni gaiteki ga iru no wa shōchi no ue da. Seikaku ga totsujō arawareta no. きっと誰かが持ち込んだに違いない。そしてうちなる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝のカフカの真実は私初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けている。他のアイオーンの指令でなければ私の目を性格は少々蝕んでいくが 幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが意図を引いているわけではないと。ならば、奴はどうしてここに来た？請求列車をおびき寄せた理由だが、こうして不言殿が解いてくれるとは。 性格ハンターか。確かに面白い。将軍、もう、のんびりしている暇はありません。探す手間が省けたよ。あれが性格だ。危機は転機にもなります。で、ああ、不言殿なら、きっと。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて、剣木のある同点に向かわせ。 性格の邪推。ふむふむ。砲丸を持つ不言殿の意見だ。問題を解決。将軍。ん？<笑>きちんと根絶やしにしなければならないからね。座ったまま待つというのですか？万が一何かあった。まったく不言殿。 性格ハンターが恋に列車と選手を結びつけたなら、ひでり。何？突然火が私が待ち。いい加減にしてください。なんです？それと規則に反すだから。不言殿。私ずっと将軍にいつも嫌がってた。そして運気の。エフィンパレフルが、オンライスバットコンドランボス。そうだ。 大牧師の牧者は普通に話せないのかな。人が罪を犯す確率を。今日にさえあり、数千年も折れた。え、怒らないんだ。すでに。
でに占いカフカを追っても無駄でしょう。精査はすでに用意して10110なるもの道を将軍からの聖そうだ大木さんその質この方眼で見たか本当によく言った。Rapide. Quelle est la décision ? Eh, on va bientôt passer à 36. Ça continue. J'ai hâte d'être demain, parce que demain on va pouvoir faire une trentaine d'avocats avec les... avec les avocats offerts là, les 1600 points offerts par jeu. これでみんな生きているんだ。大人の世界に経験者っていう感じたまま話しただけだ。幼児ちゃんはいいとして、今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造史にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、そして彼らの伝統ご注意ください。今回も中がそれでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。Il n'y a pas encore se cacher au cas où. On a pas l'air. Pas là, on a rien. On a rien. しまってるね。先に言っておきますが、構造士は選手許可なく構造士に踏み入ると、法令により最低。脅しているわけではありません。助言です。中がどうなってるのかも。Ah, fichier. Moi, j'aurais pété la porte.本当だ。何も忠告だよ。木が暴走し、構造士はダメだ。講師先生は事故が起きた。だから僕はなんでまた命よりもしまった。え、ああ。信じなくじゃあ先生を見つ安心してくれ。行こう。木が暴走？きっと剣木だ。まあ、なんとなく。でも彼の先生が言ってたっていう。コーロって一体何？L'objectif va être d'arriver de l'autre côté maintenant. Pour lui péter la gueule à l'arbre. Kenbok a eu une croissance et une expansion. Bien que je le vois, les yeux sont tous sortis de l'eau. Ouf. Je fais pas gaffe, je me bloque la mâchoire moi.構造士は幼稚だ。近づくな。それ。あ、せめてゴミチュウだ、マシャン。うちらは族なんかじゃ。善を言い訳するな。どうせ通りかかっただけだろ。注意だろ。門が開いていただろうと言うんだろ。
C'est pris pour un kangourou ou c'est pas comment l'autre là? À hurler là. Eh, je me rappelle. Faut qu'on pète les racines. Miro, deshitachini, kore. Yokai mon o mita. Tashikani. Kanzen ni darara. Honnai nara. Yokuzo. Ozoshi no chikara. Ano yokai ga oshiitte kita to kore wa. Motomoto wa densou kyori ga. Sou. Eh. Donc faut aligner. Donc là, vous voyez, ça va dans n'importe quel sens, donc on va le tourner complètement. Comme ça, hop, et voilà. Donc le laser qui part d'ici, de ce qui brille, paf, ça pète celui-là, ça redescend sur celui-là, donc c'est bon. Bing, bing, bing. Alors, dépêche, je vais te popoter là. Oya, surprise à ski des yo. Mite, Kenbok no neko ga. Are wa kozoshi no shihou, zouka koro da. Voilà, c'est l'heure du duel. Péter les racines rapidement. ケンボクのネとコールを守っている。君らはこの生徒し、君らに選ぶ余地はない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。あの光、空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。 Il y a quand même 27 du tir, on a quand même 68% de dégâts. あれは治癒というよりも他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。 違う! 幼児ちゃんの話。
あのモンスターは剣木の付近を離れない。Donc là, en gros, ils expliquent qu'il faut les péter. Maintenant, toutes les restes des autres racines. Donc avec les lasers de Kung Fu. その上。Il y a un nouveau laser. Donc lui par là, c'est nickel. Lui par... Non, le côté. Okay, lui va pouvoir faire les deux en même temps. Pareil, le côté. Hop là dans son dos. Non mais putain. Quand je demande de téléporter, téléporte-toi, enfin, arrête de faire tourner des trucs. Un dédié. Quand ça veut pas, c'est payé. Tac tac tac, là ça revient au point de départ. Donc c'est voilà. Sinon je refouillerai la zone pour récupérer tous les derniers coffres. Parce que je sais qu'on en a raté quelques-uns donc. Je trouve que c'est le dernier d'ailleurs. C'est la dernière racine. Hop, voilà. これでいいはず。俺の推測だと善は急げだ。これからすべきことはさりげなく怖いこと言っ。なぜじめさ。あ、こわ。Je veux dire au revoir à notre cher ami。C'est drôle la vanne, non ? Donc, on débloque celui-là. La petite.Il y a peut-être un point de TP directement là-bas en fait. Pourquoi je me fais chier? Le boss est là, je peux me TP là. On peut me TP même plus, pas bien ça. Et c'est parti mon kiki. Omara, Zoga Koro ni kantoni yogata. On fait ce boss là et après on contrôle là. Après ce combat les gars. Thank you.
c'est pour ça que je vais faire comme quelques courses. Hein. Il a une bonne attaque, mais il n'a pas non plus énormément de défense, ce petit. Argenti. Il adore son outil à lui quand même. C'est là où ça commence à partir en couille. Plus il y aura de mobs, plus mon passage pourra faire mal après. Hop. Donc tu commences à te la péter. Du tout. Et là, bah, j'ai la fleur dorée, c'est bien. Ouais. Ces deux fleurs vont me casser les couilles. Lui, il va balancer un outil, va balancer l'outil du mob, et lui, il va le soigner, donc ça va être chiant. Toutes les plantes d'un coup, allez hop, ça c'est fait. Restauration. On va recharger notre automate. Plante dorée et des soins à côté. Yakumeを果たします。消え去れ。
petit peu. Ichi, ma gueule. J'ai un petit peu plus de points de vie, ça va survivre, c'est cool. Et bon, on va pouvoir tout balancer dans la gueule. Hop, hop, hop. Et normalement, on devrait être pas mal. Et avec tous les gars qui apprennent. Ouais, c'est 15%. 23. 0. Bah, j'ai ravi. Vraiment, l'ulti d'Argenti, là, c'était à mal placé, l'ulti au max. Il fait mal. Il peut faire très, très, très mal. Désolé, Cermi. Kenbok niwa maka fushigi na chikara ga aru to ano shika wa futsuu no sonzai ni mieta ga chimeishou o ottemo shunji ni kaifuku shite ita. 先週人がなぜ遵守に従い死ぬことも滅ぶこともない造物それを放置すればだから先週は宇宙を流浪し楊先生は洞察力があるな残念ながら8000年前薬乞いであった中には感づいて儒家の王の恩恵を拒んだ者もいただが一つの文明が本当に不老長世の誘惑を拒めるのだろうか皮肉だ先週は北条の誘惑を受け入れたことを悔いて遵守の手を貸してくれて本当に感謝するお前らはこれから探偵市へ行くんだったなあそこは剣木に隣接している気をつけるんだぞ俺はここでお前らの Pourquoi tu m'envoies un message pignouf, on est à côté. T'es l'autre, elle me parle alors qu'elle a 30 cm de moi, genre il est complètement con. Tour nébuleuse poussée profondeur du désespoir. Alors on a un petit boost pour notre petit perso avec son ombre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qui me fait des quêtes annexes parce que justement ils vont nous demander peut-être de booster au perso avant. Voilà, lui. Ah, et maintenant, la Heng, donc ça, c'est une mission de, pour s'enseigner à lui. Voilà, donc ça, c'est sa mission à lui. On a une mission... Ah non, on a celle, hein, on pourra continuer tout à l'heure. Ça, c'est cool. Faut qu'on fasse ces deux missions-là. Ça c'est la mission donc du nouveau perso qu'on fera après. On va essayer de finir quand même la mission de cette zone avant. Et bah nickel. Et bah les gars, on va continuer la suite donc bien évidemment dans la prochaine vidéo, le prochain live.
J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bien à la prochaine, c'est Fenrir. Ciao les gars. Surtout partager, liker et vous.